Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de SimCity. Et aujourd'hui, on va continuer à étendre notre ville sur le jeu. Alors, avant de commencer, je voulais juste dire, je me suis reconnecté et j'ai plus le problème qu'il y avait la dernière fois juste ici. Donc, je sais pas du tout d'où venait ce problème. C'était pas, apparemment pas quelque chose d'important. Et avant de commencer, on va juste regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent, nos petits Sims. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des parcs. Si on arrive à faire venir des Sims dans nos parcs. Ok, donc il faut faire venir 100 Sims dans les parcs. Bon, on va se lancer un petit peu. Ça tombe bien parce que je voulais rajouter des petits parcs là-haut. Un petit parc par là. Ça peut être sympa. Et un parc comme ça, il peut être assez joli. On va juste le placer, voilà, par là. Et on verra si on y arrive. D'ailleurs, ouais. Bon, je pense niveau temps, c'est assez. Ça devrait jouer. Ok. Passons à la suite, encore eux. Ils veulent construire l'archéologie. Pas actuellement. Industrie, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un petit peu de travail. Ok, on va quand même leur faire plaisir. On va placer un tout petit peu d'industrie ici. Voilà. J'étais pas pour au début. Non, merci. Il y a des malades là, ils sont contents. Le but aussi un peu dans cet épisode, ça va être de poser notre siège jeu qui est ici. Mais pour poser le siège-jeu, eh bien, il faut gagner 52 000 en une journée. Et actuellement, je suis à 13 900. Donc, c'est pas suffisant. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est un petit peu améliorer. Enfin, celui-là, je l'ai amélioré au max. Mais en placer un deuxième. Un deuxième qu'on pourrait placer par ici. Peut-être juste dans le coin, là. Ça pourrait être sympa. Bah c'est ce qu'on va pouvoir faire maintenant. On va en placer un deuxième. Ok, on va le placer comme ça dans le coin. Et celui-là. Hop, un petit panneau là. Je vais juste regarder qu'est-ce qu'on avait pas mis là-bas. Donc là, on avait table de blackjack et un petit théâtre comique. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Un bar, théâtre comique, table de blackjack et machine à sous. Celui-là, ça sera. On va le placer comme ça. Hop. Machine à sous. Bar. D'ailleurs, je sais pas si c'était une bonne idée. Ah, ça va, je peux construire là. Je sais pas après si je pourrais construire par-dessus, par contre. C'est ça. Celui-là, je vais le casser. Ou celui-là. Ouais, je vais plutôt casser celui qui était là. Le bar. Cette fois, je mets deux chambres agréables plutôt. Allez. Je peux le placer. Non. Qu'est-ce que je racontais? Et pourquoi je peux toujours pas le placer? Je vais accélérer un tout petit peu. Pourquoi est-ce que je peux pas le placer? Y a rien qui empêche de le placer.
Le chevauchement avec quoi? Explique-moi. Il n'y a rien qui chevauche. Bon, on va casser ça. Ok, ici il veut pas. Bon, on va faire comme ça. Là, on avait les machines à sous. Et on avait le bar qui était ici. Voilà. Tout ça, c'est construit. Et il a un look plutôt sympathique comme ça. Ce qu'on peut faire même. Tiens, je vais ralentir un tout petit peu de nouveau. Je vois qu'il y a des problèmes. Si on va ici, je sais que on peut. On peut planter, voilà, des petits arbres. Mais ce que j'aurais aimé, c'était placer des petits arbres là. Bon, ce qu'on peut faire. Alors, ce qui est un peu dommage avec ce terrain, c'est que c'est des sortes de buissons. Buissons pas très jolis. Mais bon. Des buissons, des cactus. Hop, allez. Là. Hop. Comme ça, c'est décoré près de ce casino. Tiens, on va même en rajouter là. Encore là, là. Et là. Voilà, c'est joli. Pendant que ce bruit de casino est un peu assourdissant. Je sais pas si vous avez déjà été dans des casinos, mais le bruit des machines à sous, c'est insupportable. Ouais, ils aimeraient bien un aéroport. L'aéroport, par contre, il est cher. Allez, on va juste remettre en vitesse 2. Et j'ai vu qu'il y avait des petits problèmes d'incendie dans notre ville. Ce qui est possible. Parce que de toute façon, j'ai pas de pompier encore. Alors, le service de pompier, on va le placer ici. Je pense que c'est une bonne place. Voilà, et s'il y a des problèmes comme ça, ils peuvent accéder rapidement. Eux, ils aimeraient bien l'Oméga, mais c'est pas le sujet de la ville. Ça sent la fumée. Ça va bientôt cramer chez toi. Ouais, ben ça crame. Hop, et je voulais aller voir maintenant. Ici, on est à la moitié de ce qu'il faudrait pour gagner, pour placer notre siège-jeu. La moitié, ben, on était plus ou moins à la moitié déjà avec un établissement. Donc, le jour prochain, là, on devrait réussir à avoir notre siège. On peut regarder un petit peu le niveau du tourisme. Enfin, de la culture. Ah, ça serait intéressant d'avoir un stade. Est-ce que c'est ça qu'ils voulaient avant, au niveau de l'archéologie? Je sais pas. Ou bien c'était un des grands travaux qu'on peut installer par là-bas. Un lieu de culte, ça pourrait être sympa. Ça coûte rien. Étant donné que c'est une ville un peu sur le tourisme, sur le divertissement. Est-ce qu'on dit qu'on met ça aussi dans la même chose? J'aime bien le style de ce temple, un peu. Le moderne, bof. La mosquée aussi, elle est sympa. Et ça fait un peu classique par rapport à ce qu'on a par chez nous. Donc je préfère mettre quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude. Un temple juste à côté des établissements de jeu. En fait, on va prier pour avoir de la chance pour gagner. Par ici, il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on peut construire d'autre, vraiment.
Voilà, comme ça ils sont assez contents. On va d'ailleurs pouvoir regarder la carte un peu du bonheur de nos Sims. Ça va, un petit peu jaune. Tout ce qui est jaune, c'est parce que ça s'est construit assez récemment. Pour l'instant, notre ville se porte plutôt pas mal. Ça, c'est cool. Maintenant, nous allons pouvoir construire des rails. Si tu veux. Oui, le transport. Je voulais voir l'effet que ça avait fait la gare routière par rapport à nos touristes. Alors, à ce que je vois, le tourisme est plutôt bien développé parce qu'on a pas mal de touristes qui viennent grâce à la gare routière. Mais apparemment, à ce que je vois, ils ont l'air de pas mal se balader à pied. C'est-à-dire qu'ils partent de la gare routière puis ils vont tous à pied. 100 touristes, 8 ans de touristes, 10 clients de l'hôtel. Ok, bah niveau tourisme, c'est pas mal. Et puis, si vous avez vu, il y a quelques magasins de temps en temps. Par exemple ici, hop. On a quelques touristes qui vont acheter dans le magasin des affaires. Donc c'est bon pour les magasins, ça fait tourner les affaires, c'est génial. Ce que je pensais faire, c'est que du coup, ils se baladent pas mal à pied. Et ça pourrait être intéressant qu'ils se baladent plutôt en bus. Donc on pourrait placer un petit dépôt de navette. Que l'on va placer plutôt à l'entrée de la ville, quelque part. Bah en fait, par là, j'ai envie de faire quelque chose quand même. De ce côté, non. On va peut-être le placer par là, comme ça. Voilà, on verra, on peut toujours changer après coup. Je vais regarder au niveau des arrêts de bus. Ça serait bien qu'ils puissent s'arrêter par là. Ceux qui veulent travailler, ils ont un arrêt de bus. Là-haut, c'est bon, il y a des arrêts de bus partout. Partout, de tous les côtés. Ok, niveau arrêt de bus. Est-ce que ici ça fait office? Ça fait pas office d'arrêt de bus. Voilà, on va voir si ça change quelque chose par rapport à nos petits Sims. Voilà, ils ont l'air de plutôt se déplacer par bus. C'est une bonne chose. Et là, c'est quoi ces couleurs bleues comme ça? Des employés, ok. C'est tous les employés qui travaillent dans la gare routière. Ok, ils ont des bus trop bondés. Tiens, on a une amélioration. Ça me fait penser, on a une amélioration. Je voulais construire le ministère du tourisme, parce que c'est la ville du tourisme. Voilà. Et qu'on n'en a pas construit encore dans les autres villes. Donc je profite vraiment de mettre les ministères un petit peu qui correspondent au bon endroit. Et on revient sur ce problème qu'ils avaient pas assez de bus. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va juste rajouter un petit bus là. C'est vrai que 40 minutes d'attente par rapport au bus. Bon, de toute façon, j'ai rajouté cela, donc il y a un peu plus. C'est toujours ça. Il veut qu'on envoie des touristes dans l'espace. Eh bien, ça attendra un peu. Que j'aille un peu plus d'argent. Parce que l'argent, finalement, ça part toujours trop vite. Alors, j'ai gagné combien aujourd'hui? J'ai gagné 9691. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas. Donc, niveau du jeu, on est à 48 000, donc on va le débloquer tout soudain. Ça va être bien. On peut déjà réfléchir un petit peu à quelle place on va le mettre. Voir à quoi il ressemble.
Je peux pas le sélectionner. Oh, c'est pas pratique. Bon. Siège jeu. On va peut-être le mettre en bas. Faire une route qui passe. Tiens, une route qui passe comme ça, puis qui passe dessous, puis qui revient. On va s'amuser un petit peu. Allez. Une route comme ça. On va la commencer à arrondir un petit peu. Non, pas du tout ça que je voulais. Non. C'est pas très joli. Je regarde si en changeant le terrain, je peux arriver à un résultat plus joli. On va l'arrêter comme ça. Et hop. Là, du coup, j'ai cassé un tout petit peu la zone. On va juste refaire comme ça. Ok. Ok, ça c'est sympa. Notre siège-jeu, du coup, il est approuvé. Il est approuvé. Et il coûte 37 000 et on a 45 000. Je vais accélérer un petit peu encore plus. Comme ça, l'argent arrivera un peu plus vite pour l'épisode. Et donc, moi, je voulais le construire par ici. Ouais, on va le coller maximum. On va le coller par là. On verra après si on garde la route du coup qui est là. Ou si on change un petit peu. Y a de quoi. Là, on pourra faire une petite route qui remonte. Ou quelque chose. Enfin, on pourra faire quelque chose de sympa. Maintenant, allons voir qu'est-ce que ça nous a débloqué. On a débloqué le casino futuriste. Casino coquet. Alors, capacité en joueur moyen. Et niveau de richesse, enfin faible et élevé, enfin moyen. Ok. Ici, celui-là, on a faible, moyen et élevé, donc c'est pas mal. Celui-là, c'est moyen, élevé, et celui-là, ça doit être. Ça, c'est le meilleur casino. Ouais, petit à petit, ben, ce qu'on fera, c'est qu'on cassera un petit peu les. Par exemple, celui-là, je pense qu'on l'enlèvera. Et on. Gentiment, bah, on passera à des choses plus élevées. Ça pourrait être sympa. Ok, on a l'air d'être à la moitié pour ce défi. Défi des parcs. Oui, je peux rajouter aussi un arrêt de bus ici, du coup. Là. Pour que les travailleurs puissent partir en bus. Et on arrive bientôt à une crise budgétaire. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je perds autant d'argent? Je perds énormément d'argent. Il y a des problèmes de fraude. Ça me fait perdre de l'argent. Oui, hausse des impôts. Mais je peux pas augmenter les impôts plus que tant. Ce qu'on fait, c'est que on emprunte 100 000. Puis on va regarder un petit peu qu'est-ce qui nous coûte cher là-dedans. On a. Ok, c'est. La spécialisation de la ville, c'est le. Ça doit être au niveau du jeu. Obligation, bah maintenant ça nous coûte, c'est clair. Gouvernement. Ce qu'il faut que je fasse, du coup, c'est augmenter un peu ma population. Voilà, on va pouvoir rajouter une petite zone d'habitation par ici.
et par là, avec 2-3 commerces. Donc on commence à développer un petit peu la zone qui sera après la zone riche. Et ça se développe et j'espère qu'on va gagner un peu plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Leurs cellules sont pleines. Ok, mais c'est pas le moment de dépenser notre argent. Moi, je vais voir si ça se construit. Et si ça nous règle ce petit problème de budget. J'ai pas regardé, mais j'ai l'impression que... Non, c'est la population, elle a stagné. Et on a eu une baisse de visiteurs. Est-ce que c'est à cause qu'on a des crimes qui commencent à se développer? Je vais regarder le bonheur des Sims. Il y a un endroit où on peut regarder. Là. Non, là. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va? Ok, commercial. Commercial, ils ont pas assez de clients. Alors ça, je vais régler un peu le problème justement grâce à toute cette zone que j'ai construite. Que je vais d'ailleurs relier un petit peu. Voilà. Donc je regagne un peu d'argent. Bon, j'ai augmenté les impôts, j'ai fait un prêt. Ça devrait s'arranger du moment que j'aurai plus de prêt. Ok, les clients commencent à s'ennuyer un peu. Et on a des maisons avec des sortes de panneaux solaires là-haut. Et j'entends des coups de feu. Ça veut dire qu'il y a le crime. Il y a trop de crime. Et j'aime pas ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici quelques patrouilles en plus. Et la possibilité. La possibilité d'avoir plus de prisonniers. Ça devrait être beaucoup mieux. Okay, il y a pas mal de gens qui se baladent à pied. Celui-là, il rapporte pas mal. Hier 21 000. Lui, quasiment la même chose. Donc on est pas mal là. Petite ville qui se développe. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Division divertissement. Ok. Division jeu. Ah, ça rajoute des nouveaux trucs. Et division hébergement, accès. Chambre en hauteur, chambre élégante et suite en terrasse. Ça pourrait être intéressant. Mais on pourra les débloquer au fur et à mesure. Et toujours, ils s'ennuient. Ok. Et on commence à avoir un petit problème d'ordure. C'est clair que les ordures, j'ai pas encore traité ça. Il y a un coin qui me semble parfait pour aller balancer nos ordures. Je vais faire une route là. Et la zone industrielle, bon, on va la déplacer, on va la mettre un petit peu dans le coin. Genre, on va faire quelque chose qui part comme ça. Alors. Je vais mettre droit, ça sera plus facile. Ok, on va la laisser un petit peu
se diriger comme ça sur le bord. On va placer. Ok, j'y arrive pas. Bon, je le place au max que je peux. C'est pas grave. Et là, ça sera la petite zone industrielle. Du coup, là, on va supprimer cette zone. Une zone qui qu'on transformera. On transformera plus tard. C'est bizarre ici, normalement, il pourrait pas y avoir de zone bleue comme ça. C'est bien ce qui me semblait, je peux pas construire. Ok, là ça se développe, c'est bien. Et là, bah ça ramassera les ordures, c'est parfait. Il veut une gare ferroviaire. Bah on pourra la faire. Là-haut, du coup. Quoi que ça aurait été bien d'avoir une gare en bas aussi. On va pouvoir la faire descendre en souterrain. Et je sais pas trop où est-ce qu'on la fera sortir. Mais si on la fait descendre en souterrain, je peux juste faire la... Je peux juste faire... Train. Des choses que j'aime bien faire, c'est genre... Ça partirait comme ça, juste comme ça. Et là, j'aimerais bien que ça fasse un tunnel. Ou quelque chose. Bon, on va être obligé de faire en arrondi. Non, pas... Non. C'est pas ce que je voulais. Il y a toujours ce bug d'affichage ici des rails qui est pas corrigé. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Je suis là et moi ce que je voulais faire c'est... C'est le faire descendre. Juste comme ça. Hop. Voilà, là on a le tram comme ça qui passe par là et qui redescend là. Et comme ça on pourra mettre des gares en bas. Et ce qu'on va pouvoir faire c'est... Voilà, il y aura juste une gare par là. Et là ce qu'on peut faire... Par exemple, c'est faire passer le train comme ça. Et j'ai pas assez d'argent. Ça aurait été super de faire ça. Comme ça. Juste en souterrain. Bon, c'est pas grave. Je vais juste checker le temps. Je crois qu'on arrive au bout de cet épisode, donc la suite des trains, d'ailleurs marrant là ici comme ça fait, c'est assez bizarre. La suite des trains, ben on verra ça la prochaine fois. Sinon, comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette ville. Et n'oubliez pas, j'attends toujours vos propositions pour un nom de ville. Sinon, eh bien moi je vous dis à bientôt pour la suite de SimCity. Allez, salut à tous.